Tac, tac, on va attendre un petit peu. Ouais. Alors. Par contre, lancez pas de suite. Je vais remettre en fenêtré pour moi que j'ai le chat. Quoique, non, je vais mettre le chat de Twitch sur mon téléphone. Comme ça, c'est nickel et ça dérange personne. Hop. D'accord. Donc, on peut y aller. Alors, je vais leur dire qu'on peut lancer. Ok. On peut lancer. Donc, j'y serai Bon. vie. Je vais également ouvrir le stream sur mon chat pour avoir accès sur mon phone pour avoir accès au chat Ouais. facilement comme ça m'évite de faire des retours. Alors, tac, je regarde ce qu'on me dit. Soul. Ah, oui, trigger. Alors. Bon, malheureusement, il n'a pas le Discord, donc du coup, il faut qu'il le retélécharge. Ok. Je vais voir avec Luffy s'il veut qu'il vienne sur le Discord. S'il veut venir sur le Discord. Et moi, je vais aller go sur le chat pour répondre éventuellement aux gens qui sont là. Ok. Alors là, j'ai le retour de Twitch. Ah oui, excuse-moi. Donc du coup, je baisse Essaye mon de son. mettre ton. Je sais pas si t'as un casque C'est bon. téléphone. Si, c'est Ça bon. En fait, sur une c'était mon oreille. téléphone qui Ok. parlait. Ça Je viens de couper, donc c'est parfait, ouais. marche. Alors, tac. Aïe, je vois qu'en spectateur, on a toute la petite team de Lille, là, ça fait plaisir. Il y a Kikimu, il y a du Kuja, il y a du Krisax, il y a du Ah bah Champopsy. c'est cool tout ça. Ouais, tout Attends, ça moi je me mets sur le pour chat. soutenir les triggers. Ah ça c'est cool. Ouais, ça. On soutient la team FFC. C'est ça. Et bien sûr, on souhaite bonne chance à Luffy. Ça va de soi, hein. Ça va de soi. Par contre, j'ai pas mis la musique du jeu dans le stream. Donc on va pas avoir de musique dans Street Fighter, putain. Alors attendez Je voir. pense que les vrais doseurs, ça les intéresse pas. Ne te prends pas la tête Ouais, pour ça. mais bon. Ouais. Ah, c'est ennuyeux quand même. Bon. Je vais revenir dans la salle en fait. Je vais activer juste la musique, je reviens dans la salle. D'accord. Ouais, comme ça on a la musique du jeu. Ah, ils sont en train de lancer là, par contre. Ah Ouh là 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 là. là. Bon bah je vais rejoindre. Ouais, il faudrait que tu rejoignes. Tac. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont lancé. Bon. Ils t'ont vu partir, ils ont Ah lancé. bah oui mais non. De toute façon je vais rejoindre. Hop. Voilà. Là ça va me mettre en spectateur. Soit ça va rattraper, soit ça va entendre le premier match. Ah bah si, ça va rattraper. Ça va rattraper, je crois. Ouais. Bah, ça a toujours pas Voilà. commencé, moi personnellement. Donc, Bon bah c'est bon. nickel. J'espère que toi et moi, on le verra en même temps pour pas qu'il y ait un trop gros décalage sur. Ouais. Ce que les gars verront et ce que moi je dirais. Ouais, ça lance. Ce serait idéal. Ok, bah c'est parti, hein. C'est parti. Hervé Trigger contre Luffy. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que Luffy a une Yarmika qui est proche de celle de Ryu? On va voir ça. Les deux joueurs se tâtent. Directement, d'entrée de jeu, Luffy qui recharge un peu ses charges. Ok, Soul qui se retrouve dans le coin, il est pressé. Ah, il n'arrive pas à sortir, il y a le saut qui passe là, il a cancel la main shot. Alors le V reverse Soul directement pour s'extirper du corner. Et il est remis directement au point du corner par une shot. La déchoppe là, c'était bien. L'avant HK qui est puni par un V reverse Soul. Soul est toujours dans le coin, il réussit à mettre une chope arrière. Les deux joueurs qui échangent leur place, Soul qui. Voilà, qui remet Luffy dans le coin. Luffy qui arrive à s'en extirper. Ah ouais. Et là, c'est le premier round pour Luffy, je pense, sur cette relevée. Ouais. Il est à la chope. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça, C'est ouais. Soul qui Luffy le premier, constamment essaie premier de round. sortir du corner et Luffy qui essaie de lui derrière le mettre dans le corner. Ouais. C'est le match qui va se jouer à ce niveau-là. Ah ouais, il est déjà en On échange corner. avec Trigger. Et sur le Ouais. chat, là, tous ceux qui sont derrière Soul, ils sont avec lui. Voilà. Ouf! Il y a la bombe là qui n'a pas été punie, malheureusement. Voilà, ça passe bien. Soul qui est en train d'imposer un peu de pression. Ah, Luffy a réussi à s'extirper du coin. Ok.
le saut de la kick qui cancel le saut de... Voilà, il y a la punition derrière. Ah, il a fait juste une chop. Ah, bien, bien vu, il y avait Nadeshiko qui arrivait derrière, donc il a choisi de finir en chopant. C'est un bon choix. Oula, par contre là, ça s'enchaîne les chops. Oh là là, attention. Pas le gros point qui passe. Oula là, le gros qui est directement... Il est une part, une chop, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Ça fait mal. Et ce qui est dangereux avec ce setup, c'est que je pense que même si tu mets le V-Reversal, tu te prends quand même la chope derrière, quoi. Bah ouais, normalement, ouais. Ouais, c'est ça, en fait. Les V-Reversals sont très faibles. Ah, Mika, c'est très fort. Hein. Oui. Aïe, c'est 50-50, je saute pas, c'est ça la question. Ok. Alors, j'espère que le son est bien réglé hein, sur le chat. J'espère que le son du jeu est correct et qu'on nous entend bien. Oh là là, mais Luffy qui a chargé une grosse chope. Ah, il a vraiment beaucoup chargé sa chope là. Ça disrespect. Soul lui a sauté dessus, mais il a quand même pris le micro. Oh là là, les deux gros coups qui viennent s'interchoquer là en faveur de Luffy. Qui a des skills, setup qui a été repoussé grâce au V-Reversal. Soul qui a un peu de mal, qui n'arrive pas à imposer son jeu là dans les débuts. Ouais. Je pense qu'au fur et à mesure du FT, il va s'accommoder. Hein. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il doit avoir un peu de stress. Allez hop, crush counter. Oh là là, les gros combos qui commencent à sortir là. Mmh. Ah, il est à l'aise hein. Quand il arrive à mettre son gros counter à partir de là. Oula, la punition. Premier round pour Soul. Ça fait plaisir. Oui. Bon, pour ce deuxième round, Luffy a sa soupure de charger. Voyons voir ce que ça va donner. Voilà la bonne punition, le gros pied qui passe, gros point, voilà, cancel, voilà. Le gros point, avant gros point de 10 ans. Non, plutôt de 10 ans. Ouais, il est pas positif en fait, il est négatif, mais il est très difficile à punir en fait. Je pense que Luffy a essayé de punir dedans et il s'est pris derrière le leg punch. D'accord, il est bizarre, je crois que j'ai dit. C'est bon. Voilà. Ouf. Soul qui s'est retrouvé dans le corner là, malheureusement il y a eu un reset. Je pense que Luffy a essayé de sauter. Voilà. Allez, le crush counter qui passe, je pense qu'il tue là-dessus, ouais, à tous les coups. Là, il va le tuer. Oh, mal. Bravo, Soul. Oh, mal. Ah, bien joué, ça fait plaisir, ça. Allez, un partout. Ça, c'est du gros bison, ça. C'est bien. Bien joué. Ça fait plaisir. Voyons voir comment ça va tourner. Moi, je pense que, en tout cas, j'espère que jusqu'à la fin de ce FT, ce sera corsé entre les deux pour qu'on puisse avoir un maximum de matchs et J'ai pas envie que quelqu'un prenne le dessus. Bon, si Soul prend le dessus, on va pas se plaindre, quoi. Ça serait plutôt cool que Soul gagne. Plus quand même, mais. Ça, c'est clair. Il a complètement le. Il gagne alors que c'est serré, c'est encore plus beau au final, quoi. Oh là là, Soul qui. Il l'envoie, donc. Ouais, c'est ça, hein. En marchant et en bourrant des coups comme ça. Je pense que le dictateur est quand même un poil plus fort que Mika là-dessus, quoi. Vu les nerfs qu'elle a reçus aussi. Ouais, c'est chaud, c'est la merde. Là, il est dans le coin là. Ah là là, les setups. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais. Et il est garanti celui-là. Hein. Ce truc-là est garanti. Ah bah oui. Hein. Surtout que je crois qu'elle a gagné en range par rapport à la shop spé, non? Ça, je ne saurais pas te dire. Non. Je ne vais pas raconter n'importe quoi. Parce que non, je j'ai pas. Gaff, mais. Elle a quand même une sacrée portée, hein, sa shop. C'est un peu dégueulasse. Enfin, en tout cas, la setup est connue. Mais je pense que depuis la S1, elle avait quand même cette portée. Hein. Ouais, tu as raison. Ouais. La très souvent et. C'est bien. Alors, joué, ça. On fait juste bien un joué. Tweet devant du chat. Ouais. Je crois que Luffy aussi, il est impatient. Hein. Il aime beaucoup. Rocher. Il aime... Rocher, ouais, exactement. Mm-hmm. Et Soul est quelqu'un qui mâche pas mal ses light dans certaines situations et ces situations semblent être les bonnes face à Luffy, quoi, parce qu'il a raison et ça fait la différence. Mais je pense que c'est pas que Luffy qui fait ça, hein. Je pense que c'est la plupart des joueurs de Mika, du fait que durant la saison 1, en fait, ils avaient vraiment un neutral assez fumé, je dois dire. Ça fait qu'ils se sont habitués à mâcher et ça passait tout le temps, ceux qui ne passent pas aujourd'hui. Ouais.
pense que ça joue beaucoup. Luffy là, la barre de stun, il manquait juste un simple light et c'était bon. Voilà, Soul qui, ouais, Soul qui est tranquille, il a pas besoin d'attaquer, il laisse Luffy venir à lui. Et lui, il va juste essayer de mettre des petits pots pour essayer de le tuer. Voilà, il sort du coin. Allez, c'est bon, l'entière. Ah, le groupe entier qui est sorti trop tard, malheureusement. Voilà, la chope. Et Soul qui prend l'avantage sur ce deuxième... sur ce troisième match, plutôt. 2-1 pour Soul, les gars. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, il a démontré qu'il est pas un petit joueur avec vraiment... FT10. Alors, attends, non, je vais lui dire. Ah, ok. Je vais lui dire. D'accord. Non, parce qu'apparemment il a pas saisi, il se pensait en FT5. De toute façon je crois qu'ils ont réglé sur FT10, donc on est quand même bon. Ils sont quand même bons. Okay. Pas fait de bêtises. Hop. Luffy qui commence bien ce début de match là, Soul qui se rattrape hein. Voilà, le gros point qui sort bien comme il faut là. Allez, la punition derrière, ok, je sais pas s'il y avait mieux à faire je pense, mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà ça. Les entières qui sont propres, les Verriversals sont propres. Alors, tac, 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 tac. Soul qui backdash beaucoup à la relevée, mais il semblerait que ça marche bien quand... Mika, ça marche bien le backdash à la relevée? Ouais, il backdash beaucoup à la relevée, mais ça marche bien. Je pense que Mika a pas de quoi le rattraper, en fait, donc... S'il a paniqué, en fait, il est tranquille, il fait backdash. Et Luffy, il saute beaucoup, donc Soul, il a l'entière, il a le bas groupe offensif. D'accord. Et c'est tout à son avantage. Là, le dernier round, il a en met 3 d'affilée, c'est pas mal. Bon dégâts. Il passe pour là, il va se retrouver dans le coin assez rapidement. Voilà, il va bientôt virer vers Soul, je crois. Là, il va bientôt virer vers Soul. Ouh, ah, il a mangé un truc comme ça. Ouais. Ah, ça pue le stun, ça pue le stun. Ah ouais. Je pense qu'en fait, Soul, il a fait le choix, tu vois, après le bas gros point de Mika, comme ça, je pense que Soul a fait le choix de plutôt prendre la chop au lieu du crush counter derrière, en fait. Ouais. C'est pour ça que tout le temps, il se le prenait et il laissait faire, en fait. Mais jamais tu le vois sauter pour essayer de prévoir une éventuelle chop spéciale. Ah, la punition derrière. Ouais. Ah, dommage. Dommage, il y avait... Là, il a pas fini. Bon, c'est pas plus mal, Luffy a plus de barre DX et il a plus d'ultra, donc là, il est tranquille. Allez, faut pas se relâcher, voilà, le vélo. Voilà, sur lui, il a fait part sur lui, il a des bons dash avant. Et... Voilà, hop, accroche counter, hop, ah, combo. Faut pas taper, hein, sur 10 ans, faut pas taper. Allez! Ah, magnifique, bah voilà. Ah là là, ah oui, c'est vrai qu'il y a Nadeshiko qui arrivait derrière. Ah, bien vu. Hop, bien voilà, magnifique. Il y a Nadeshiko, il est vif, hein, franchement. Il... Ouais, il a l'habitude de jouer contre Ryuk, il est très vif pour l'arrivée de Nadeshiko. Il a mis un coup, il a mis des dégâts, il n'a pas été gourmand, il s'est calmé, il a attendu, il a mis la garde proprement. Luffy a fait une erreur, il a puni. Ouais. Il n'y a rien à rajouter, c'était propre. Personnellement, moi, je ne me serais pas arrêté là, moi, j'aurais essayé de mettre un dragon juste après le coup pour... Pour essayer de mettre un quoi? Parce que ça a la vie. Un dragon. Ouais. Là, le bison, ses cheveux sont... Ouf. Ah, il se retrouve dans le coin, là il est dans la mise, il va se prendre. Hop, bas gros point, non de... Ah, ok. Oh, le gros point qui est passé de façon mystique, je sais même pas d'où il sortait. Ah, l'entière de Mika. Mika, en fait, quand elle t'entière, c'est comme si t'étais à terre et tu te relevais, quoi. Parce que tu reset juste devant elle et elle a le choix, quoi. Et après, ouais, d'accord. Elle a l'embarras du choix. C'est ce qu'elle va te mettre. Voilà, je suis sur le chat, hein, ceux qui sont là. Bienvenue à tous. Donc, je vois que Luffy se prend. Tu vois, je sais pas trop comment ils s'appellent les trucs, les sorts de. Les coups spéciaux de 10 ans. Il y a le Knee Press, il y a le Devil Reverse. Je pense que c'est le Devil Reverse, là où il tourne son corps en l'air et ouais, il prend. Bah, il se les prend tous, les EX. Je sais pas pourquoi. C'est pris le combo, tout super. Ok. Bienvenue à Coral. 2-3 pour Luffy. Ouais. Yo Arnaud, sois le bienvenu mon pote. Ah, c'est Arnaud à Coral? Ouais, c'est Arnaud à Coral. Ok. 50 pp, welcome to the screen. Yo Green, bien ou quoi? Ah, j'ai balancé le logiciel de Paris.
de Paris en champ nickel. Ça peut être sympa. Et je peux pas faire alt. Ah, la bonne carte de Soul, il est posé. Ah ok, il n'y a pas eu de but vers le bas major. Pas trop, le gros point qui passe là. Ouh, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Luffy, ah, la punition, jolie. Je pense que le stun là contre Luffy, ça serait bien ça. Ah, bon, anti-air. Ça, c'est, là, ça c'est un anti-air. J'ai fait aussi contre HP. C'est après chaque reset en l'air, il met pratiquement tout le temps une shot. Ouais. Ouh, la barre de stun, ouais, ça va mal. C'est bien le stun là. Ah, ouais. Mais faut pas se laisser impressionner. Ouais, bah, c'est dur à bouger quand même. Hein. C'est pas mal de ben, temps. Bon, même quand Dictateur se fait presser, c'est chaud pour lui parce que. Ouais, il a pas de dragon, quoi. Ouais. Et je pense que là, Soul voulait garder son V-Trigger en carte d'ouverture, tu vois, pour essayer de tuer sur un combo. Ouais. Parce que je pense qu'il avait, les dégâts pour. Il avait les dégâts pour, mais bon. Ça s'est pas passé comme prévu, malheureusement. T'as vu, il se prend tout le temps les Devil Reverse. Ouais. Il est instable, en fait. Il s'est impressionné, faut pas qu'il s'est impressionné. Il veut tout le temps taper, il veut tout le temps mettre la pression, en fait. Et Luffy, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ça fait que la garde, il la met pas souvent, et en fait. Elle est sous. Voilà, un petit Devil Reverse Soul qui place Luffy un peu plus loin. La dash, c'est comme ça qu'on joue contre les Devil Reverse. Il y a la super qui va passer derrière, je pense. Non, Devil Reverse. Il lui a fait un under, un cross under, par contre. Ah, je l'avais vu venir aussi, hein. Ben GG, Luffy qui s'impose. Ah non. Ah c'est pas fini, hein. 0 vital. Attention, attention. Allez Soul. Ah dommage. Non, ouais, c'était beau s'il y avait eu un comeback là par contre. Hein. Ah, j'espère que ça lag pas pour Luffy. Apparemment il m'a dit que c'était parfait. Ok, bah tant mieux. Hein. Ouais. Ça fait bizarre de voir jouer Luffy comme ça, Cloudoman dit. Pourquoi ça fait bizarre de voir Luffy jouer comme ça? Je ne suis pas un expert du gameplay des pro players, mais je sais pas, j'ai toujours vu Luffy de façon jouer de façon disons assez agressive avec Mika. Je pense qu'il joue pas. J'ai l'impression qu'il révèle pas tout ce qu'il sait faire avec Mika. Après, ça peut lui porter préjudice parce que justement, Soul peut en profiter et voilà, il prend le round. Donc, du coup, voilà. Tu penses qu'il adopte un certain type de jeu pour prévoir, je sais pas, une compétition, une guerrière ou un truc comme ça? Possible, vu que de toute façon, comme c'est streamé, il se limite aux phases les plus. Les plus bas. On sait jamais, je ne sais pas. Bien joué ça. C'est un nouveau combo qu'il a gagné ça sur le. Ouais, c'est un nouveau combo qui est arrivé avec le fait de pouvoir mettre le gros point derrière. Ouais, le gros point derrière sur le. Ouais, il y a peut-être un perfect KO. Ah, oh là. Joli. Voilà. Celui qui se réveille là. Et ça fait quoi? Ça fait 4-3 pour Soul. Ça fait 4-3, il me semble. Joli. On encourage aussi Luffy, hein, bien sûr, qui a franchement rassuré. Qui a été super sympa d'accepter le FT. J'avoue. Vraiment très gentil de sa part, très accessible, très gentil. Ok. Ouais, je pense aussi Luffy en mode relax. Relax et Soul, il doit jouer sa vie. Ouais, c'est sûr. Il a quand même Luffy en face. Bah ouais, c'est ça. Contre Luffy, c'est plutôt sympa. On aimerait voir Luffy. Bon, de toute façon, à mon avis, si c'est dans ses derniers retranchements, il va être obligé de jouer. Ouais, complètement. Bah ouais, normal. C'est pas son avantage de perdre. Hein. Ouais, c'est pas. C'est comme. C'est un duel quand même, hein, mine de rien. Et il a une réputation à tenir non plus. Hein. Bien sûr. On va pas dire que ça va entacher sa réputation ou quoi alors, que ce soit. Ou alors il y a un petit peu lag. Peut-être. Tu sais, ça peut arriver, on fera un match ou deux. On a pas eu de rollback, on a rien eu, donc je sais pas. Ça va donc oui. Là j'avais à peu près 3 rounds, il y en a un qui massacre l'autre là. Oula. C'est clair. Bon, ok. Chacun se prend un round full vital. Ça, c'était 100. Pardon, petit tout. Ouh, c'est quoi cette balayette mystique là? Okay. Ah. Ok. Ouh, sentez bien le pic de lag, hein, parce que là, tu vois, on voit à peine arriver. Allez, crush counter, Farashka. Allez, il l'a rendu le perfect. Stone. Ah ouais, bah ouais. Allez, Luffy qui nous fait un perfect sur le troisième, sur le cinquième match.
Donc, ça fait 4 partout. 4 partout, 4 partout. Ouais. Ça fait 4 partout. Alors, ça parle totalement de Auchan à Courbevoie sur le chat. Il n'y a pas d'Auchan. À Courbevoie, je vois pas ce qu'il veut dire. Il voulait apprendre le match. Avant que ce soit une blague entre vous, vous Arnaud, j'ai pas trop compris. Hein. Personnellement, moi non plus, j'ai pas compris. Hein. Nous sommes dans l'outer space des blagues. Je ne comprends pas tout. Ah, pas perfect. Alors, Luffy qui a poussé dans le coin là. Ah, il arrive. Un gros point qui passe. Je vais trigger le cancel. Oh, il balance sur le côté. Peut-être qui est pas passé. Soul qui a été vigilant, qui a mis la garde. Le petit chimie qui passe. Le deuxième chimie qui passe. Les flammes qui ne passent pas. La bombe. Proprement gardée. Et la punition derrière qui donne ce premier round. Soul qui a pas craqué. Ouais, les triggers qui a pas craqué. Ça va. La bonne punition là sur le saut. Soul il commence à. Moi qui s'est changé au niveau de la série. Il commence à s'habituer au jeu de Luffy. Ouais. Ça vient. Ça a l'air très fort ça. C'est très fort, j'allais le dire également. Ouais, ouais. Parce que en fait tu peux le. Le Devil Reverse, en fait, même si tu le sors en retard, quand tu le sors en EX, il va en tier 3 qu'il arrive, quoi. Je pense pas avoir vu, voilà, un autre personnage. Ah, il y a la punition. Non, c'était close. Là, ça aurait fait mal, là, la punition. Après le match, j'ai demandé à Luffy si ça allait pas trop, parce que j'ai l'impression qu'il y a un pic de lag pour au moins un des deux. Allez, hop. Ouais, bah si, quand même. Hein. Ah, ben, bien joué, bien joué. Je suis pas sûr qu'il serait pris tout ça quand même. Attends, je vais quand même lui demander. Alors, Luffy. Bon, vu l'état des matchs depuis tout à l'heure. Non, mais ça m'embêterait que tout le monde ne puisse pas être à 100% là. Tac, tac, tac. Alors, apparemment, Rookie il habite à Courbevoie en région parisienne et dans le championnat de leader de la team Courbevoie. Ah, ok. De quoi ça parle? C'est quoi? Que apparemment, là il habite dans une ville qui s'appelle Courbevoie en région parisienne et il est le leader de cette team en fait pour le tournoi de Paris. Mais je comprends toujours pas le rapport avec le champ en fait. Parce que sur je sais pas. T'as vu? Je pense que Luffy est passé un mode un peu plus sérieux et reste. Bah là. Là, il a la garde depuis le temps. Ouais. Ah ouais, ouais, donc. L'inferno de bison est sacrément négatif là pour qu'il puisse punir pour son HP. GG à lui. Trop mignon le côté de trop marrant. Ce match m'a fait penser à Ibuki. J'ai gagné beaucoup de matchs comme ça en fait en mettant la garde ultime et en ouvrant avec une ouverture, 7 heures de trigger et c'était bon quoi. Mm-hmm. C'est exactement pareil avec Mika en fait. Seulement que sa phase de corner est quand même plus fumée que Ibuki. Ouais, c'est sûr. Alors donc, du coup, malgré le nerf de son wall, son clap to wall. Mmh. Là, ça reste quand même un. T'en penses quoi au niveau de la tier list? Elle est combien? Elle est top 10 quand même? Elle est dans les 10? Non, moi je pense qu'elle est mid-tier. Elle est mid-tier. Franchement, elle est mid-tier proprement. Je pense que c'est un très bon perso. C'est un perso qui est tout à fait légit maintenant. Il n'est pas fumé comme avant et. Voilà, elle est beaucoup plus tard. Elle est moins fumée qu'avant. Mais elle reste forte. Alors, après, Mika dérange beaucoup de personnes pour des raisons différentes, tu vois. Et personnellement, moi, c'était à cause de la vitesse de ses coups. Je trouvais que pour un chopper, c'était un peu chaud quand même. Ça, c'est sûr. Et Mika. Ça doit être le chopper le plus versatile, le plus rapide. Bah, ouais, c'est ça en fait. Et moi, j'avais plein de. Genre, j'ai plein de métiers avec Ibuki qui marchaient tous les personnages du jeu sauf sur Mika. Je ne sais absolument pas pourquoi quand elle se lève en light punch, je me les prends, quoi. Ah d'accord, Luffy il habite à quoi? Ah d'accord, ok. Ah ouais, ok, maintenant. Ok, ça c'est. Oh là là. Ah là là, ouais. Putain, ça c'est ce qu'on appelle de la pression. Il s'est pris 3 shots d'affilée là, ça n'a pas pardonné.
c'est bon, on a compris. Hein. À nous et moi, on a compris. Hein. C'est lui qui fait partie de la team qu'on veut voir. On a compris. Alors, le stun, enfin, sous le stun. Allez, le stun, est parti pour le deuxième perfect KO. Allez, oh non, Soul. Ah, voilà. Ah, parfait. C'est propre, mon gars. C'est bien ça. Il a mis deux perfect, hein, Luffy, ouais, faut le dire. Puis deck d'Adou. Adou qui piche pas. Ouais, mais non, mais Arnaud, je t'avoue que là, c'était un peu, ouais, c'était un peu moyen, quoi, c'est pas... Ah, la phase de pirate. Est-ce qu'il va rendre le... Ah, voilà, il a pas pu rendre le perfect. Oh Seigneur Dieu, c'était Joseph, mec. C'était quoi ça? Il passe derrière. Oh mon Dieu. Oh là là. Ah, c'était bon, il est passé derrière le stun, les gars. Allez, stun. Mais oui, le reset. Allez, c'est beau. Ah, oh, oh, oh. Oui, la punition. Oh là là, mais ah, bien là. Tellement impérial sur ce match. Très bien. Il a vendu du rêve, franchement. Les resets étaient propres. Oh là là. Ça faisait mal, il a mis les bonnes punitions, gros combo V-Trigger, il n'y a rien à dire. Parfait. Il y a absolument rien à dire. La fin du match était vraiment cool. Ça fait plaisir. Soul qui garde son avance malgré tout. Hein. Ouais. Malgré tout, qui garde son avance. Hein. Parfait. Bien vu le GG Kuja. Et d'ailleurs, les autres. Pour le chat, parce que franchement, c'était GG. Quoi. De quoi? Bah le match qui vient de perdre. Ah oui, bien sûr. Soul est acculé là. Ah, Nitress EX, voilà. Bien vu. C'est safe dans tous les cas, que ça part en garde ou en hit, il est tranquille donc Allez hop. Ah, il a essayé de le feinter mais c'était pas... What? Ouh là 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 là. Attendez les dégâts de la chope là. Beaucoup trop tardé à... Oh là ah, là là. Le V-skill de Ermika. Attendez, voilà, le gros combo V-Trigger, voilà, bam. Oh, le reset derrière bien le... Joué. Oh, ce combo magnifique, ça tue presque. Oui, ça tue. Ouais, crouch oui. LK, magnifique. Hop, le comeback. Comeback. Mais c'est reset. Le sang-froid qu'il a pour placer les resets, il est monstrueux. Hein. Franchement, ah oui, c'est... Faut le faire, c'est clair. Hein. Ah ouais, ça, il n'y attendait pas. C'est parfait, c'est le genre de choses qui te fait gagner le match, parce que sinon, c'est... Bah ouais, bien sûr, quand tu portes tes couilles. Street 5, c'est ça, c'est pas Street 4, hein. Tu portes tes couilles du début à la fin et c'est vraiment le jeu de l'agression. Et pour le coup, on est servi. Hein. Ceux qui veulent voir de la violence, c'est complètement impressionnant. Ah, mais Soul, les gens vraiment bien. Voilà. Les entières sont propres, les presses ne sont pas drop derrière. Voilà, le pressing, il est propre. Ouais, Devil Reverse EX. Alors, relevé, c'est pas battu. T'as vu ce qui s'est passé là? Magnifique. Bah, il a réagi en. C'est Luffy ça. A lancé des et malgré le fait que Luffy avait sauté bien avant lui et que Luffy était sur la descente en fait de son coup, ouais, le Devil River ça a quand même de ça en, a joué. En entière, ouais. Ouais. Je en fait c'est fort, pas ouais. Mika qui l'a touché là, c'est Nadeshiko. Ouais, exactement. Oui, oui. Parce que son entière était réussi. Hein. C'est juste Nadeshiko qui l'a touché, mais en fait. Il a réussi à tuer Mika comme ça. Ouais, mais c'est bien vu de sa part parce que lui il gagnait quoi. Dans tous les cas, bat les couilles de Nadeshiko. Ok, la balayette qui est bien vue de la part de Luffy. Ah, Soul qui se retrouve dans le coin. Ah, Luffy qui s'était mis tout seul dans le coin, mais après il y a la shop qui a remis Soul dans le coin. Bah, les gros points. Est-ce qu'on entend bien le son du jeu là, sur le stream? Ils ont rien dit sur le stream donc je pense que. Ouais, j'ai pas l'impression donc ça va. Pire. Mais oui, mon gars, la parade de la chute. On entend très bien, ouais. Ouais, ouais. J'ai mis Twitch sur mon téléphone aussi. Alors, on repart sur le deuxième round. Donc là, okay. Vitrier qui mène 6 à 5, c'est ça? 5 à 4. 7 à 5. 7 à 5. 7 à 5. Ouais. Magnifique. Quand même. Boum, la touche, il a mis la garde pour Nadeshiko. Non, il a sauté, étonnamment, il a sauté. Ouais. Je pense qu'il a cru que Nadeshiko allait arriver par derrière. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu une sorte de drop à la relevée parce que je l'ai vu mettre. je l'ai vu mettre sa boule là. Est-ce la fin? Sûrement, ouais.
à la chatte derrière. Le son trop bas, c'est mental, le conditionnement mental est vraiment chaud. Parce qu'en fait, à la relevée, là, Soul, c'était sûr qu'il allait garder. Ouais. Parce que s'il se prenait un coup, il y avait et le stun ou il était mort. Tu vois ce que je veux dire? Attends, parce que j'ai mis le son, le Twitch sur mon téléphone, je voulais vérifier pourquoi il y a... Parce que Akoral me dit qu'il y a un bug sonore. Mais c'est peut-être parce que j'ai lancé mon le son de mon téléphone tout à l'heure et ça te fait penser qu'il y a un bug. Il y a le son en double, il a dit. Ouais, il dit qu'il y a le son en double, mais... C'est parce que j'ai lancé mon téléphone aussi. C'est pas plutôt mon son à moi. Écoutez, je vais diminuer mon son et ça va peut-être changer la donne. Non, c'est juste parce que je faisais des vérifications sur mon téléphone. Ah, hop. Attends, il a juste walk back... Il a évité la chose. Ah oui, mais en même temps, on entend le son du jeu chez toi, c'est pour ça. Hein. Bah ouais, c'est ce que je te dis, donc je suis en train de régler ça. Parfait, autant pour moi. Ok. Je pense que là, ça devrait... Baisse complètement le son du jeu, comme ça t'es pas... Ou mets-toi des écouteurs, un écouteur, c'est sur un des casques. Non, j'en ai pas. J'ai mis le son du jeu à 2 carrément. 2%, donc franchement, ça devrait aller, je crois. Ouais, voilà. Ouais. Je crois qu'on est de retour. Bon, excusez-nous, les amis, mais on est de retour. Et là, ça fait. C'est quoi? Ça fait 5-6 pour Soul. 7-6 pour Soul, je veux dire. Soul, et... ouais, là, on est en premier round pour la charge, bien vue. La petite punition, bien vue. Il y a l'armure qui est passée. La tentative d'entière qui a raté de la part de Luffy, il a perdu une barre d'EX dessus et ensuite il s'est pris un crush counter. Donc le round est en faveur de Soul. Soul qui a déconné, qui a mis une glissade, mais derrière Luffy a drop. Oui. Et ils se sont touchés tous les deux, donc voilà, ça revient à zéro. Luffy qui arrive à acculer Soul dans le coin. Il y a le trigger qui a été placé, le saut vide, Nadeshiko, saut vide, gros point combo. Oui. Soul est re dans le coin, le saut bomb qui n'a pas été puni. Franchement, c'est impressionnant. Bravo Soul, bravo. Belle finition, belle finition. En gros, il avait mis, je crois, j'ai vu, c'était Light Punch Knee Press, c'est ça qu'il a fait, non? Sûrement, ouais, je me souviens déjà plus. Peu importe. Non, c'est pas du tout positif en fait, le stand LP de Mika. Allez, alors, chop qui a vu. Ah, la mauvaise finition derrière, là, on a eu un gros point, il n'y a pas eu de ligne derrière. Ok, le V-reverse qui est plutôt dans le vide. La grosse punition, crush counter là-dessus. Allez, il y avait ouverture dessus, malheureusement, il a ressauté, il n'a pas confirmé. Ça peut peut-être lui coûter la game. Ah, ok, donc il y a la recharge, l'entière de Luffy, il y a la redescente, le balai qui ouvre. Mais il est tout Soul dans le coin, voilà, c'est bien ce que je pensais, ça va commencer à mal se passer. Il y avait une grosse barre, une grosse barre grise qui a explosé grâce au Devil Reverse. Ouais. Ça fait beaucoup de dégâts en barre blanche. Ouais. Bah ouais. Et parce que Luffy s'était pris 2 V Reversal juste avant et 2 V Reversal. Ça fait ça de sacré, extrêmement mal. Ouais. Ça fume la barre, hein. Ouais, clairement. Un dégât blanc, ouais. Juste un coup et c'est mort. Tu perds tout. Allez, le fils fait ses moussades. Le fils qui presse avec ses lights. Allez, Soul. Considère que maintenant t'as juste à gagner à être deux, t'as juste deux matchs à gagner. Oula, ça commence à faire mal. Là, rien dire. Hein. Le Devil Reverse, des fois, je trouve ça un peu trop fumé. Hein. Non, mais c'est la réponse parfaite. Hein. C'est la réponse parfaite. Bah, et là, c'est fini. Contre Mika, ouais. Ça lui fume match-up. Ah ouais, bon, voilà. Luffy, c'est pas encore. Je pense qu'il s'est peut-être rendu compte ou peut-être pas. Mais depuis le début de la game, depuis le début de ce FT, Soul n'a sauté qu'une seule fois pour juke une des shops de Luffy, quand même, quoi. Mm-hmm. Ah bah, de toute façon, il sait que Luffy... Voilà, il s'est pris le gros point. Ça va faire mal. Aïe, gros point. Ouais, gros point encore, il y a eu trop de gros points, là. Voilà, hop. Voilà, crush counter, voilà. Ah, crush counter, ouais. Ah, dommage, elle a du gueule. Dans le coin, Soul qui recule. Elle a pas du gueule, il faudrait qu'il continue à mettre la pression. Il a hésité, je sais pas. Voilà, les balai kicks qui ont eu... Qui sort en 4, hein, parce qu'il est plus en 3. Bah tiens, hein, là on va dire que Luffy il a bien fait son pirate là pour le coup.
C'est Les clair, c'est balais clair. qui restent sales là. Mais bon, on peut pas lui en vouloir, tout le monde fait ça, c'est le jeu. J'ai perdu la connexion au chat sur le stream. Ok. Moi je l'ai tout fait. Oui, bon. Il y a Faut plus juste de mal que revenir. j'ai utilisé sur les Faut 7, se c'est le tout. reposer. Dormir, ça peut t'aider en effet. Propre la Hermika. Ah bah c'est quand même une fille, hein. Ouais, quand il est arrivé sur le chat, il ne le savait pas Ah, apparemment. qui ça? Ouais. Ah oui. Un certain oula, Entaikei. 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 Oh mais. Oh là là, Oh mais je... Alors... Ah! mais c'est deux joueurs, le troll est infini. voilà, ils se sont trolls tous les deux et du coup personne n'a réussi à passer son truc. Alors qui va avoir raison de l'autre là? Ah là là, il y a du dégât blanc au taquet Qui là, des deux sur le est le fou. meilleur trolleur? Ah, pareil, sous sa vengeance. Ah, hop, il a perdu de la vie. Ah, Mais il a raté le wall est-ce ride, que le wall ride. la recharge que Luffy a fait tout à l'heure, le buff de dégâts, il est parti là? Parce que je connais pas trop comment ça marche pour Mika. C'est-à-dire. Bah en fait quoi, elle prend son micro, elle parle dans son micro, Ouais. elle buff la prochaine shop, ok? C'est ça. Donc si elle chope et qu'elle drop par exemple, elle rate sa shop, est-ce que c'est mort pour le buff? Ou Ah, bien ça est-ce je sais que... pas par contre, ça je sais pas. D'accord. Les gars Je sur le pense que chat, si je vous pense que avez une c'est réponse. comme Urien par exemple. Quand tu lances le V-Skill d'Urien Oui. et que tu fais un coup spé et que tu le Mmh. whiff, Ouais, bah du coup il ça le te fait perd. perdre le V-Skill du coup spé Ah, quoi. ça te fait perdre, Ouais, d'accord, ok. moi ça me fait ça pour Urien, donc du coup je pense que ça fonctionne de la même façon quoi. D'accord, ok. Oui. Après s'il y a des Et joueurs derrière toi ici, peut-être ou là, Cyril on va qui se revient, mentir, qui est pas très bien passé là, fais-toi malheureusement. plaisir. Aïe, aïe, Ah là là. aïe. Bah je fais combo BNB et hop, et sur Luffy. Tenfin HP. C'est Luffy qui prend le. Luffy qui égalise Qui pour le égalise. 8-8. On est à 8-8. Bah c'est disputé du Oh. coup hein. Ça va, il en a pour son argent Luffy. Et Ouais. là. Ah, ça se défend bien. Allez, Soul, vends-nous du rêve, mec. Allez. T'as C'est apporté complètement de la faisable, victoire. faisable. Considère que t'as juste à gagner un FC2 et c'est bon. T'auras un mafé gratuit, mon pote. Aïe, 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 aïe. Ouais, là on voit bien que sur les derniers matchs, Luffy il a activé le haki quoi. C'est plus Ouais, la bah même. là, Non. ouais. Là, c'est plus le Le Luffy du début, là. haki Oh des là. rois est plus loin. Parce que là, putain, Là, la il remontée se moque quand même là. présent dans le milieu du game. C'est ça aussi la force des gros joueurs, tu vois, c'est dans les Ils sont moments les top, plus ouais. difficiles, les moments de pression, ils ont toujours la tête sur les épaules, tu vois. C'est ça. La pression, ils arrivent à gérer la pression et ça c'est beau. Surtout à garder leur même niveau, Ah oui. leur même top niveau en fait, durant n'importe quelle Ah situation, bah c'est ça. faut garder la tête froide, hein. Faut garder la tête froide, hein. Surtout sur des FT longs, Et c'est dur sur Street Fighter. Moi que j'ai geeké toute ma vie sur toutes sortes de jeux, je pense que Street Fighter c'est le jeu qui mentalement, man, il te met KO assez vite. Hein. Ah bah oui. Bah après, y a plein de choses qui jouent, hein. Si tu joues trop longtemps online, tu tombes souvent sur des joueurs qui sont complètement hors sujet, qui manquent complètement de respect, quoi. Ouais, Du ça coup, c'est clair. toi, t'es dans un esprit compétitif où, en tout cas, tu veux bien jouer, que ça soit propre et tout. Et en face de toi, t'as des choses sales et Ouais, bien sûr, du bien coup, sûr. c'est ça aussi qui démoralise, hein, qui te détruit un match, hein. Ah là là, on n'en a pas parlé, mais là clairement, Soul, il a pris la bite. Ah, bah voilà. C'était Manger un week-end. un gros zizi Renoir dans la rue Princesse, là. Sans préservatif, les Ah là amis. là. Sans... Là. Cassage de fesses. Pénétration sec. Oh. Pénétration Ah là. sèche, plutôt. J'ai 9, mal pour 9 lui, à là. 8. Alors, j'ai le stream, mais j'ai toujours pas le chat. Il va se calmer ce téléphone. Moi, j'ai le Oui, mais chat ça vient ici. du micro, hein, ça vient du micro. J'ai un petit souci au niveau des seuils Ok, sur celui le qui arrive chat. à Alors, ouvrir là. Ah, la je chope vais qui a prendre. oui. Il n'y a pas eu de punition derrière. Bon C'est bah. parfait. La balette qui est correctement Pas punie. d'HK toujours La en fer. question que se met à. Ouais, voilà. Le Devil Reverse là qui fait entière sur Luffy, c'est pas mal. Il y a la pression de Nadeshiko. La bombe qui ne passe pas. Le Nipress en garde qui n'est pas puni de la part de Luffy. Je pense que c'était un Nipress punissable. L'anti-air propre, le Nipress qui confirme derrière bien comme il fallait.
Il a bien joué avec le saut. Ouais, bien joué, bien joué. Ah, Soul qui arrive à s'imposer. Mode ado activé. Mode ado activé, a-t-il dit. Ah, tu parlais de... Ah là, c'est là, c'est ça qu'on aime quoi. Soul, quand il met la pression à Luffy, Luffy finit tout le temps par craquer. Parce que à ce jeu-là, je pense que Dictateur reste quand même plus fort que Ermika. Je pense que Dictateur est plus fort en pression que Mika. Enfin, parce qu'on a quand même des lights qui sont bien sévères. Peut-être mal exprimé. Pas en pression, mais tu vois, au niveau de la frame data, quand on balance des coups pour essayer d'avoir raison, je pense que Dictateur est quand même plus fort que Ermika à ce jeu-là. Complètement. Et voilà. Soul qui prend le 9ème match, donc qui égalise, hein, 9 à 9. Écoutez les amis, est-ce que ça va aller jusqu'à une balle de match? Le suspense est total. Au plus fort, au plus haut. Bah non, donc bah là du coup c'est la balle de match. Les gars, préparez le Gangidama, levez tous vos mains dans le ciel. Donnez-vous force à soulever Trigger. Ah là 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 là, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Mec, c'est ton dernier round, tu commences avec une balayette. Avec une La glissade. Non, mais arrête tes conneries, mon gars. Tu vas me gagner ça? J'ai juré, il va me gagner ça, sinon je vais le teindre en rouge. Non, mais il va passer du blanc au rouge. Là, il faut qu'il gagne. Voilà, la chope, c'est bien, mon gars. C'est bien, c'est ça qu'on aime. Ouais. Voilà, laisse le chanter. Voilà. Voilà. Ici, on n'est pas dans un concert. Voilà. Et le concert, c'est le gros pied de Dicta. Si tu veux du concert, t'en as. Ça, voilà, c'est le concert. Ça, c'est le concert, le Dicta avec son. Voilà la chope, voilà. Alors les amis, balle de match pour soulever Trigger. Parfait. On est bien là, c'est bien mon gars. Allez vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu ne perds pas ce round. Mec, le mafé. Ah. On va aller jusqu'à 3ème round. Sors du corner. Tu n'es pas un joueur de foot. Mon gars, tu me fais... Oh là là, la pression que Luffy lui met. C'est bon, ils sont sortis. Ah là là, non. Ça tue pas, normalement, ça tue pas. Et le comeback. T'utilises pas de barre, mon frère. T'utilises pas de barre et du comeback. Voilà, pas de barre. Au point, voilà. Ah merde. Ah là là. Bien joué, Luffy, bien joué. Allez, jusqu'à la balle de match, les amis. Jusqu'à la fin. Il y a un, comme ça, il joue plus longtemps. Voilà, la chope. Ah bah oui. Oh, bien vu de la part de Soul. Soul n'est pas peur. Vas-y, bats-toi, mon gars. Tape. Voilà, c'est ça. Fais comme avec moi. Mâche. Dis-toi que c'est du chewing-gum. C'est ça. Mâche. Je suis en train de me prendre un peu trop au jeu, là. Je suis plus impartial, là. On a fait un partenariat avec Hollywood Chewing-gum, là. Je joue à Street et je mange du chewing-gum. Je mâche. Aïe. Allez, Soul. Tu peux le faire, mon gars. Rentre pas dans le vortex, mon gars. T'as ton ultra. Voilà. Oh, bien joué. C'est bien, les gars. Il y a du respect entre les deux joueurs. Ça chauffe. Ah, okay. J'ai l'impression que ça l'a. Je sais pas. Le gros pied qui est pas passé. Non, c'est bon. Quoi? Oh putain, ouais, retard. Ah non, il s'est pris la super. Ah là, c'est ce qui va le faire perdre. Ah là. J'avais trouvé de la super, hein. Ça s'est joué vraiment à l'ouverture de garde. Ça s'est joué à rien parce que. Bah, GG à Luffy, franchement, GG à Luffy, rien à dire. Parce qu'en plus. Mais ça se joue tellement à rien, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est à cause de. Tu vois, l'entière de Luffy. Oh, je sais pas si tu vois le bug qu'on a eu. Il y a eu 9-1 pour Luffy. Ouais. 9-1? Ouais, 9-1 pour Luffy à la fin, le jeu il a marqué 9-1. C'était un excellent FT10. Soul il a pas démérité du tout, il a extrêmement bien joué. Malheureusement, l'entière de Luffy, juste après, apparemment la recovery est inexistante. Il a pu mettre un light punch derrière, c'est ça. Au détriment du gros pied de Soul, et voilà. Ce qui lui a donné un dernier combo ultra qui lui a donné la victoire. Ok, bon, on va remettre GG à Soul et GG à Luffy. Ouais, GG Luffy, GG Soul. Bon bah ils sont tous les deux sortis. Ils sont tous les deux sortis de la salle. Ok, bah c'était parfait pour Luffy. Merci. GG à toi. Ah là, les amis, on est déçus quoi. Ah mais en tout. Bah c'était quand même super sympa, hein. Soul qui a pas craqué.
qui a ouais, tenu, franchement, il a bien joué. Sur la fin, il a pas craqué, ah, il a bien mis la carte. Mais il s'est juste fait niquer par. En fait, le mec, il y a eu un entier qui est passé dans le vide, tu vois. Oui. Sous la vue, il a directement réagi, il a fait gros pied. Mais la recovery de Mika, c'est ce genre de truc que moi, j'accepte pas, tu vois. Tu vois, mettre un entier comme ça dans le vide et pouvoir taper aussi vite juste après, c'est ça, c'est le truc que je comprends pas. Mais bon. Ouais, ouais. Ah, mais il y a des choses qui sont fumées pour chaque perso. Voilà, et c'est ça en fait. Faut exploiter les trucs pour perso. Il n'y a rien à dire derrière. Bah, Luffy a bien géré, hein, c'est tout. Hein, et voilà. Mais il y a du respect. Et franchement, j'ai hâte de voir ce tournoi de France et de voir ce que les joueurs de Lille vont offrir. Un tournoi de France qui a lieu quand Le tournoi de France qui a lieu, je crois, c'est le 11 mars, un truc comme ça. C'est aux alentours du 11 mars, je vais pas te dire n'importe quoi, mais je sais que cette fameuse base du 11 mars, je l'ai entendu, donc... Je crois que vous y participez en tant qu'FFC, en tout cas, en groupe. C'est toi, Ryuk et Hervé Trigger? Non, c'est pas moi. Je pense que... Alors, ce sera... La team, c'est Verdoyance en capitaine. Verdoyance en capitaine. On a Ryuk sur Samika. On a Cop qui va jouer Nekali. Et on a Soul sur... Bison. Ouais, on a Hervé Trigger qui sera sur Bison. Et je pense que le dernier, ce sera sur sa Chrysax. Parce que ce samedi, on avait un tournoi et Green disait à Kuja qu'il pense qu'il va prendre Chrysax en dernier joueur. Ok. Ouais, donc, qui est très beau, on aura un Akuma également. Okay. Il y aura un Akuma également, donc voilà. Ok, super. Bah, du coup, ça va être disputé hein, si Soul est là-haut, si Krizax est là-haut, Verdoyance. Ouais. Ça risque de faire un truc vachement sympa. Dans tous les cas, on sera présent pour les soutenir. Et puis, ouais, bah, voilà. Carrément. Hein, bah, de toute façon, au pire, on pourra faire une petite analyse du stream. Enfin, je sais pas, de toute façon, on va pas restream le stream. Je ne pense pas. Par exemple, lancer le stream et puis discuter. Enfin, je sais pas, on peut regarder. Hein, on peut faire à la Ken Bogard. Pourquoi regarder 2-3